Sa famille est sans nouvelles de lui depuis le 18 décembre dernier. Jocelyn Obam Simoro, plus connu sous le pseudonyme de Stimpy Love Obam, animateur gabonais et militant de l'opposition proche de Jean Ping, est introuvable. Des témoins ont assuré l'avoir vu se faire arrêter par des individus qui l'ont alors embarqué à bord d'un pick-up blanc aux vitres teintées. Plus personne n'a eu de ses nouvelles depuis. La famille, inquiète, a multiplié les avis de recherche sur les réseaux sociaux. Nous avons déposé la plainte au tribunal. Nous avions fait les dépositions dans les brigades, la DGR et à la PJ. Depuis là, il n'y a pas de suite. On ne nous appelle pas pour nous dire que bon, voilà, on essaie de faire des enquêtes. Il n'y a rien du tout. Ceux qui détiennent Stimpy, on le libère. Parce que sa famille a besoin de lui. Nous sommes abattus. Ça, c'est une manière de tuer une famille. Si Stimpy a fait quelque chose qui n'est pas bien, que la justice s'en charge et qu'on nous dise pourquoi il a été arrêté. Cette disparition porte à 3 le nombre de disparus au Gabon ces dernières semaines. Alain Bella Obam et Armel Mouindou ont également disparu en décembre et leurs familles attendent toujours que les autorités gabonaises, accusées de l'avoir kidnappé, se prononcent sur le sujet.